Cette composition graphique peut être comprise comme une synthèse des œuvres présentées. Ici, l'alpha et l'oméga superposés représentent schématiquement une silhouette humaine. Au centre figure la matrice où l'œuf cosmique est en gestation. Dans cet œuf se trouvent deux embryons parfaitement lovés qui évoquent le yin et le yang, séparés par une spirale évolutive. Ces fœtus sont identiques, quoique de genre opposé, l'un mâle ou animus et l'autre femelle ou anima, dont l'association et la parfaite interaction symbolisent l'équilibre harmonieux de la psyché humaine. Ils sont reliés par de canaux subtils aux forces stoniennes de la Terre-Mère et aux puissances uraniennes issues des mondes supérieurs. En termes alchimiques, ces fœtus correspondent au rebis en devenir, qui est l'androgyne à la fois un et double. Cette composition laisse cependant une impression de travail inachevé, travail qui doit être mené à son terme afin que naisse l'homme nouveau, le soi, fruit et but ultime du grand œuvre.